La Poste vient de se doter d'un outil unique en Europe avec la plus grande plateforme de tri du courrier. Elle est installée à Vissous dans l'Essonne. Elle est capable de traiter des dizaines de milliers de lettres par heure pour les 10 arrondissements du sud parisien. Guil Krief et Jacques Gauthier. La nouvelle plateforme de Vissous, c'est 50 000 lettres traitées en une heure, 5 millions par jour. Elle s'étend sur 34 000 m2, fonctionne 6 jours sur 7 et aura coûté 70 millions d'euros. Voilà pour les chiffres. Mais Vissous va vraiment permettre de changer les choses pour les utilisateurs et clients de la Poste, ou n'est-ce qu'une vitrine de la modernisation de l'entreprise? Cet investissement va changer pour les franciliens. D'abord pour les particuliers, c'est recevoir le courrier dans sa boîte aux lettres le matin dans des conditions beaucoup plus rapides, et les premiers résultats sont déjà là. Et pour les entreprises, c'est la possibilité de leur offrir aujourd'hui, mais surtout demain, de nouveaux services qui permettent d'améliorer les prestations que nous leur donnons grâce à l'utilisation des nouvelles technologies comme Internet. La Poste est très fière du centre de Vissous. L'ergonomie a été pensée dès la conception des machines et des lieux de production. Le travail ici est physique, ça c'est clair, mais y a quand même, tout a été fait quand même pour nous aider et pour nous faciliter quand même le travail. Les machines facilitent quand même le travail. Paradoxe, dans ce temple high-tech, on n'a pas réussi à mécaniser la dernière étape du traitement. Trop complexe ou trop cher, en fin de chaîne, il y a encore des manutentionnaires.